c'est ça même qui démontre la faiblesse d'esprit de nos musiciens. Vous voyez, de nos musiciens, musique avant tout, c'est un business, vous savez, c'est un business. Tout le monde, on a les États-Unis, ma rivalité, Zalara, Jay-Z, Puff Daddy, et autres là. Mais quand il s'agit de se réunir pour le business, Babeta, qu'on a pas séparé sa public et puis bon, on va gagner, bon, on a bango. Ils se mettent ensemble, les bons salons, bah différents, la bango. Et ils se mettent ensemble pour valoriser d'abord la culture américaine. Le concert qui aura lieu le 30 juin. Le concert de la réunification. Quand on parle de la réunification, c'est-à-dire que tout le monde doit se mettre ensemble. C'est tout le monde là et ça tout le monde a participé à qui na orchestre wana. Bana souka pena bato ba koti na wingé pena bato souka. Tango nga nazawana. Namoni Emelia, Aïna, Tutukaluchi. Il y a Manda chante Aïe. Ma côte. Simonatiki pépinière. Oh. Simonatiki. C'est-à-dire, tous les venus ou les venants, Nabayagi tellement ébélé. Et il y a un moment où on a des sikoyo, Mobulu et Kotaki Peto Panzanagi. Vous voyez? Maintenant, quand on voit que la réunification, on doit se poser beaucoup de questions. Ouais, est-ce vraiment une réunification dans sa totalité? Parce que Marie-Paul Pabetana Wenge Azate. Marie-Paul Azate. Pour diverses raisons, Ayo Kanarana, tel, tel, et autres là, Lobara, Lobara, trop. Voilà. Dieu me voit, Natikala, Fere, Gola. Gola. Natikala, Gofana, Fere, Bouité. Din 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 go to bani go yemba go regola azate pourquoi. Parce que Ayemba Kate na Wenge, bien Kazalaka, et il y a même d'autres qui nient son appartenance à Wenge comme Blaise Boula. A nier appartenance et affaire na Wenge. Pour dire que Bangoulé a Bazalara fait Razalarate, Azalara na pépinière et autres. Fait rigola, bien que Ayemba Kate, ça il faut le dire parce qu'il y a un souka, Ayemba Kate. Mais fait rigola, tu as vu la qualité na Ye, il y a interprète, fait rigola, il sait interpréter tous les musiciens. Vous voyez, fait rigola, c'est parmi, si pas dire le seul, mais parmi les rares musiciens à Congo, à qui vont interpréter les musiciens Nyonso. Je pense que Ferrego a volé Bango Vedette, parce que Ferrego a un gaz actuellement. Il a un album Dynastie à succès. Ferrego, parmi tous ces gens-là, Yene Moutou, a vraiment un succès. Werason, il est phénoménal. En tout cas, Werabaji, le musicien, actuellement, la Congo, Azate. Mais quand on veut mettre. Mais moi, dans le contexte actuel, Ferrego là, a dans la gaz. Ferrego là, quand il vient là-bas, il va emmener sa fan base Ndenge Balobaka. Moi, je comprends qu'il va faire la parler Fally Ipupa Balobaka. Parce que actuellement, le fan de Fally Ipupa, Bazaba na Oyo Baye, après 2000. Si tu veux voir le vrai fan de Fally Ipupa, oh, Bazaba Makele, les autres là, Balanda la Fally, ce sont la génération 2000 qui t'a. Bayebi Wengete, Bayebi Somo, Bawera, Naba JBT, Bali Ipupa Autobeta, Fikid. Batou na Fikine on est tondara. Oh c'est hérité n'aime ta tonne ici Fikine parce que deux concerts Ezali. Torolanda Torota ba image. Les images sont là. Hérité beta Fikine, fallait beti Fikine. Nana tonne sa Fikine. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre ici na Katia Damas Télé. Et aussi l'émission passera aussi na Katia Univers Web. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement na Katia ba chaîne Nabiso. Et vous ne serez pas dessus. Une fois de plus, Tozana Bédric Lukabu, les grands communicologues ici dans la République démocratique du Congo, nous allons traiter les dossiers qui sont autour de la culture congolaise. Les dossiers notamment, il y a beaucoup Tania Wenge 4x4. Pourquoi aujourd'hui, présence y a fait et apparemment, et ça a lésé d'autres personnes. Nakati a rencontré Wana. Et aussi, nous allons ramasser plusieurs actualités autour de la culture congolaise. Mbote, moi, Mboka Bédric Lukabu. Mbote, très cher Prince Landou.
Bote na batunyon se bazo landa biso na kati ya Damas Télévision. Et vous avez bien précisé, l'émission va passer également sur Univers Web Télévision. En tout cas, très content d'être là. Na yom to ya minga, en tout cas, ça me fait plaisir d'être avec toi, de parler de la culture congolaise. Parce que vous savez, la culture, c'est aussi un facteur qui élève une nation. Tout le monde est bambou comme une nene. Le rôle des États-Unis et le rôle ça la force na bango pesa la culture na bango. En tout cas, quand les gens viennent parler de la culture, c'est toujours une bonne chose parce que apparemment ici en RDC, on néglige un peu culture na biso. Culture na biso est un peu négligé, mais actuellement, bah tout le rôle la bino bah to mayele, bah y a la presse en ligne, bah y a la presse réseaux sociaux, parce qu'on était habitué à un moment où en tout cas présence dans Babino, en tout cas ça fait honneur à notre culture. Ok, on se bat pour que les valeurs de la République démocratique du Congo soient okay. Reconnues partout dans le monde. D'ailleurs, en Afrique, on nous reconnaît comme un pays là où la musique est si qu'elle fan d'Aka. Donc, on peut pas négliger notre musique. Bédric Lukabwe. Attaquons l'actualité par rapport à la rencontre à Bana Wenge aujourd'hui, plusieurs années, il y a possible été comme on a eu Ranson, comme on a Jibem Piana dans un même podium pour chanter leur vieille chanson. Aujourd'hui, bah, sentiment Zandengenini par rapport à la rencontre. Merci beaucoup pour la question, mais vous savez, comment on a Batouana, bah, musicien Wana, bah, Sangani, en tout cas, tout le monde ne peut que être content. Parce que Toyebi, Wenge, cet orchestre mythique, et Bersa, bah, jeunesse, Nabiso, Wenge, cet orchestre mythique, en tout cas, et ça là, bah, exploit à Mineni. Batouana, quand ils étaient encore à leur niveau, à leur haut niveau, leur Bazalaki, en tout cas, tout le monde était content. En tout cas, ils valorisaient à juste titre notre culture. Alors, comme on a Bango, Sangani Lissoussou, avec l'initiative, il y a Amadou Djabi, qui est ce producteur qui a misé beaucoup d'argent, qui a mis son énergie, qui a mis toutes ses idées, la projet. Oh, en tout cas, ça ne peut que nous réjouir, parce que c'est une très bonne chose. Mais, Tolinga qui. Et il y a des gens qui sont sous qui sont dans la banque et qui sont dans l'époque, dans le temps où ils sont dans le niveau de la banque et qui sont dans le JB et autres. Est-ce qu'il y a des petits soucis par rapport à ça? Parce que moi je sens les feux par rapport à ça, comme si Baza toujours n'a fait la banque. Moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des actuellement, on ne peut pas nier. C'est une évidence où Rana JB basé sur un niveau la bango basala qui n'a monté succès ou soit énergie au banda qui copie sa la musique, c'est pas la même énergie au Isa actuellement. Vous voyez, beaucoup de dons ont changé, beaucoup de dons vraiment ont changé dans notre musique. Bah Musée Bélé Baye, bah Ferré Baye, bah Fali Baye, bah Binafilé, tous ces gens là en tout cas gloire au JB na où Rana Isa vraiment partagé et n'a que la malam. Dans le but que projet au Nenge Basangisibango actuellement et Malamouté. C'est bien, c'est une très bonne chose, on applaudit. Vraiment, tout le monde est content de voir tous ces gens-là réunis encore. Parce que tu as un problème, il y a un problème, il y avait beaucoup de polémiques autour de leur séparation. Mais comme on a Basangani, c'est une très bonne chose. Et ça aurait été mieux, et là, na époque wana oyowera na JB et Adolphe aussi avec na Tonya Tonya na Blaise Boula, tous ces gens là producteurs moko ayana likanisa ko sangisa bango bongo et pour Esimba. Est-ce que vous ne pensez pas que Nathan Waninga ça la difficile parce que Nathan y a fait chacun aura caché moko élevé. Mais c'est ça même qui démontre la faiblesse d'esprit de nos musiciens. Vous voyez, de nos musiciens, musique avant tout, ils ont business. Vous savez, ils ont business. Tout le monde, là, on a les États-Unis, la rivalité, ils ont la Jay-Z, Puff D, des autres. Là. Mais quand il s'agit de se réunir pour le business, Babeta, qu'on a pas fait sa public et puis bon, on va gagner bon, on a bango. Ils se mettent ensemble, les bons salons, bah différents, la bango. Et ils se mettent ensemble pour valoriser d'abord la culture américaine. Vous voyez, mais Bisso Awa, c'est vraiment difficile. C'est ça. Bango, c'est ça. Bah, ils ne sont pas des ennemis en fait. Ce sont des concurrents. Vous voyez. Et là, on peut dire la presse. Vous voyez, la presse congolaise et autres là, surtout la presse culturelle, bah, on dit que ça va muser sur la confusion. Vous voyez. Non, on a des adversaires. Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des concurrents. Vous
voyez, ce sont des concurrents. Et la concurrence doit être loyale. Loyal, on vous met ça. Dans un même projet, Boyemba. Ça, les forts, Oyemba, Koleka Muninga. Vous voyez, et à la fin, aux Zimbongo, on a eu public et c'est Péli. Et la culture congolaise gagne. Voilà. Oh, oui, oui, oui. C'est ça ce qui est le souci de tous, que la culture congolaise gagne. Parce qu'aujourd'hui, la culture congolaise est redressée vraiment beaucoup dans le monde et aussi en Afrique. Bon, je ne sais pas. Mais on sent comme s'il y a du malaise. Nakati, il y a beaucoup Taniwana, beaucoup de gens réclament la présence de Ferre. Beaucoup d'autres personnes aussi nient sa présence à Yaoyate. Ferre Gola ne représente pas beaucoup Nakati Wenge 4x4. Moi, je pense que on a appelé ce projet le concert qui aura lieu le 30 juin, le concert de la réunification. Quand on parle de la réunification, c'est-à-dire que tout le monde doit se mettre ensemble. C'est tout le monde là, et ça, tout le monde a participé qui dans l'orchestre. Vous voyez? Maintenant, quand on voit que la réunification, on doit se poser beaucoup de questions. Vous voyez, est-ce vraiment une réunification dans sa totalité? Parce que Marie-Paul Pabetana Wenge Azate. Marie-Paul Azate. Pour diverses raisons, ayo kanarana telle, et autres là, lobara trop. Voilà. Ferre Gola, Azate, pourquoi? Parce que Ayemba Kate na Wenge, bien Kazalaka. Et il y a même d'autres qui nient son appartenance à Wenge comme Blaise Boula. A nier appartenance à Ferre na Wenge. Pour dire que Bangoulé Bazalara Ferre Azalarate, Azalara na pépinière et autres là. Or, Tomoni ba image, Ezali. Je ne sais pas si on va au monde directement. Ferre Gola, Nablaise Boula sur un même podium. Ferre Gola, il avait remplacé Toutou Kaloudji qui était suspendu. Ferre Gola s'était transformé. Improvisé en Atalaku. Improvisé en Atalaku. Vous voyez? C'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que Ferre Gola, bien que a bien batté, ça il faut le dire parce qu'il y a un souka, mais Ferre Gola, tu as vu la qualité, il y a interprète. Ferre Gola, il s'est interprété. Tous les musiciens. Vous voyez, Ferre Gola, c'est parmi, si pas dire le seul, mais parmi les rares musiciens à Congo, à qui vont interpréter, bah, musicien Nyonso. Et il a fait. Même si Aye Mbate, pourquoi ne pas l'associer à ce projet? Ok, nous sommes un peu loin. Il y a les 30 juin. Moi, je pense que ça peut changer les donnes. Ce que nous disons ici. Est-ce que vous pensez que présence à Ferre Gola et comme moi, la rencontre où? Mais Prince Landou, moi je pense que Ferre Gola, actuellement, il faut pas renier par évidence. Mais c'est ça, faut savoir voir les choses. Voilà. Hein? Moi je ne peux pas dire que non, chemise de la Tesa rouge. Nazom, on a l'évidence, mais dit que la chemise est rouge. Mais moi je vais nier cette évidence pour dire que Tesa rouge, Tesa PMB. Actuellement, si on ne veut pas nier les évidences, on va voir que. Na clan Wenge ou la Nyon Sobat Balekan la Wenge, y compris Ferre Gola, parce que l'écran la Wenge. Actuellement, c'est lui qui défend valablement le Wenge. C'est Ferre Gola. Ferre Gola a le feu. Il a le feu actuellement. Pas seulement le feu, moi je pense que Azana énergie. Jibem Piana n'a plus la même énergie à Zala Nango. Où est-ce en sorte même? Bah Didier Massa et autres là, ça c'est une autre histoire parce que Bakina ba poto, ba changer la bango, ba corps pour la plupart. Vous voyez? Mais actuellement, c'est lui qui a. L'énergie nécessaire, c'est Ferre Gola. Donc, présence de Ferre Gola dans le podium, on va jouer un grand rôle. La présence de Ferre Gola, je pense qu'il faut jouer un rôle moins. Parce que Ferre Gola, c'est un public. Vous voyez? Il y a Ferre Gola, un public. Ferre Gola, actuellement, il y a un album sur le marché à succès. Vous voyez, c'est-à-dire que présence de moi, je pense qu'elle a la bénéfique dans le projet. Mais nous sentons la présence des héritiers. Est-ce que Ferre Gola a été contacté? Ferre Gola, je ne pense pas, mais selon d'autres informations que nous avons eues, le producteur Amadou Djabi aurait contacté Ferre Gola parce que ça reste à vérifier. Il paraît qu'il y a de mécontentement, il y a groupe Wana Obasangani, il y a d'autres qui ne veulent pas de Ferre Gola là-bas. Et il y a d'autres indiscrétions qui citent où on sonne, mais vraiment a besoin de Ferre Gola à Yate. Voyez. Et nous, on ne peut qu'avancer des hypothèses. Est-ce que Bazobo a fait rigolo parce qu'il pense que fait rigolo pour voler Bango Vedette, parce que fait rigolo a la gaz actuellement. Il a un album Dynastie à succès. Fait rigolo parmi tous ces gens-là, Yene Moutou a vraiment un succès. Wilson, il est phénoménal.
En tout cas, il y a un musicien qui est en train de se faire actuellement la Congo, Azate. Mais quand on veut mettre Mamouana dans le contexte actuel, Ferregola a un gaz. Ferregola, quand il vient là-bas, il va emmener sa fan base. Vous voyez? Alors, ça sera bénéfique pour Wenge, ça sera bénéfique pour ce projet, pour la réussite de ce projet. Ok, ça sera bénéfique pour ce projet. Bon. Question polémique. Aujourd'hui, tu senti polémique et côté entre clan Wenge 4x4 et avec l'artiste Fally Ipupa. D'autres personnes disent que Fally Ipupa est moko akoko mela Wenge wana 4x4. Vous pensez aussi également? Ah non, mais ça ce sont des excusez-moi les termes, ce sont des idioties ou peut-être fanatiques qui a Fally. Parce qu'il faut mettre le contexte. Le fanatique de Fally Ipupa, en tout cas, moi je le félicite d'une part, parce que l'ingar artiste est un makasi. Vous voyez, l'ingar artiste est makasi, mais chaque artiste est en place où il est à Komana Nouté. Voyez. Comment ça? Balou Karabata, parce que si on va comparer déjà Fally Ipupa na Wenge. Voyez, ça c'est inimaginable d'abord de faire. Voilà, c'est rêver, c'est plus que rêver debout. Vous ne pouvez pas comparer un orchestre comme Wenge Musique à 4x4 tout terrain et révolutionnant Marabou Bélé na musique ya Congo. Wenge Musique a l'air baillé, ba jeune Wana en tout cas, ba changea vision ya musique à Congo. Donc c'était pour la première fois de voir le jeune qui aspirait na ba jeune babana qui autant les étudiants, il y avait des intellectuels là dedans, mais ils aspiraient à la musique. Avant la musique était délaissée na ba tumuro boyoana, mais Wenge baye, ils ont appris que non pouvait aller à l'université étudier mais faire la musique. Ils ont inspiré les gens, les jeunes à cette époque-là. Ouais. Et cet orchestre-là, Mambasala, Fally Ipupa dans la Salango, Atam, qui était Fally Ipupa pour moi, n'arrive même pas aux chevilles de cet orchestre-là. Mais Fally Ipupa aussi a une projection à stade des martyrs comme le Wenge. Oui, bien sûr. Et on encourage l'artiste de jouer ce stade. Parce que si Fally Ipupa met ce stade, c'est l'honneur de la République démocratique du Congo. Vous voyez? C'est l'honneur de la République démocratique du Congo. Et personne à Koboya Fally actuellement parce que dans la Fally, il est grand. Il est grand parmi les grands. Vous voyez, il n'est pas le seul grand. La génération, il y a des grands. Lui aussi, il est grand par rapport à Mambozo Salawana. Mais à comme nous on a un niveau Bawenge, il ne faut pas battre un niveau Bawenge, vous voyez. Il ne faut pas battre Fally à un niveau Bawenge parce que Fally nous a sali Mambou Bawera na ba jibe ou pour la. Disons clairement, ça a été dit que Fally à l'équipe Bangonio son répertoire. Na répertoire. Mais bato ba yon en loba. Les gens qui disent cela, et ça, bah fanatique à Fally Ipupa. Maintenant, si tu me poses la question, qui est fan de Fally Ipupa? Et moi je comprends que ma fan a parlé de Fally Ipupa baloba bon parce que actuellement le fan de Fally Ipupa baza bana oyo baye après 2000. Si tu veux voir le vrai fan de Fally Ipupa o basala makele les autres là balanda la Fally, ce sont la génération 2000 qui t'a baye bi wengete baye bi somo ba wera na ba JBT baye ba somo ya ba génération qui baye ba défauté baye ba grandeur ba bozi bozi anaté. Et ils ne peuvent que dire cela. Baye bi somo ya batwana ba solo baté parce qu'actuellement Fally ma fanatique n'est pas plus virtuel derrière les réseaux sociaux, derrière le téléphone et autres là. Baza ma fanatique au bâton sa stade t. Baza ma fanatique au bâton qui est une victoire t. Cause là, album à ouer et bimi, basomba cassette, basomba CD, victoire et qui plein. Non, je me rappelle encore. Voilà, et ils sont pas ce genre de fanatiques. Et c'est le fanatique genre album et bimi, n'a qu'il est à 10h. N'a qu'une nani ni n'a streamé soit n'a téléchargé on a téléphone sans faire des efforts. Or le Wera les JB ils ont eu de fanatiques Wenge oyo banor s'est sacrifié. Vous voyez quelqu'un qui va avant dans la Kinshasa ni à l'ouest Kinshasa ni makolo pour la rose l'album à Wera en son t'as la volonté. Vous voyez c'est ce genre de fanatique là. Alors ma fanatique à Wera y a Fally Ipupa quand il dit cela moi je comprends ils n'ont pas une connaissance bien assise sur la musique. Ils n'ont pas l'historique de notre musique. Vous voyez, c'est okay, un peu ça. C'est moi, une je bonne comprends, chose. En fait. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose par rapport à ce que nous disons. Nous sommes là juste pour combattre l'idée afin que notre culture ait retrouvé encore sa place.
sa place perdue il y a longtemps. Nous nous battons afin que tout récupérer cette place. Bah Nigérien Bazuyango, bah Ivoirien Bazuyango, nous nous battons pour cela. Olobé le mot très important, bah Nigérien Bazuyango, bah Ivoirien Bazuyango. Mais non, si on veut comparer ces bah musiciens au Borsa la succès actuellement na bah Wera, na bah Wenge. Et là, autour, vraiment, ça va nous donner une réponse claire. C'est-à-dire que quand ces gens-là régnaient sur la musique africaine, un Nigérien ou un Ivoirien ne pouvait même pas prétendre que c'était l'Ikolo. Bah, donc... Vous voyez ? C'est-à-dire que Wera na Jibé, ils ont bazoua musique et Afrique en otage. Pendant l'année, bah, bah, ça a un succès. Mais quand les Fali et les autres sont venus, voilà, bah Nigeria, Baya, bah Kota et autres là. Pour démontrer la différence de ces gens-là. C'est ça, la force. Faut Kota l'Isakabatu, la valeur okay. de personne. Parce que c'est Wenge ici a même donné moins de dénomination à la musique congolaise. Aujourd'hui, son musique congolaise est appelée Ndombolo. Voilà. C'est à cause de Wenge. Voilà. Donc ce sont des gens, il y a au moins Pamba Pamba Té. Dans cette histoire-là, Batmusu n'a pas créé bah, combo jusqu'à ce point-là. C'est une bonne chose. Nous étions heureux d'être avec toi pour analyser cette actualité. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Moi, je pense que nous devons toujours continuer de soutenir notre culture. Vous voyez, parce que Mamoud Belezo qui n'est pas bien dans le Kalamiso. Et l'autre, au Tikan Lango, vraiment, ils ont football, la musique. Vous voyez, Mamoud Bele Beba. Football et aussi Mbate. Football et aussi Mbate. On reste avec nos artistes. C'est une manière de vendre la culture de notre pays. Et si nous vendons la culture de notre pays, c'est une manière de vendre notre pays. C'est ça. Vous voyez, quand ces gens-là vont à l'étranger pour livrer des concerts, quand ils vont à l'étranger pour la production, la bango, c'est notre pays d'abord qui est regardé. Vous voyez, c'est une bonne chose. Mais si vous comparez Fali na Wenge, Fali azosala musala na bien ding azosala wana ba fanatique Fali ba c'est une erreur t. Vous voyez, ba c'est une erreur t parce que ba toana ce sont des icônes. Il y a musique na biso. Au mona. Voilà Mambasala Fali. Fali na beti stade t. Aobeta le 28 novembre. Vous voyez? Nous allons voir ce que ça va. Le 28 novembre et rien ne nous dit que dans la plein parce que ba wera ba plein ba sala c'était la musique a changé de contexte au mona. Même actuellement, même concert Wana, Kousala Nango plein, en tout cas, ils ont bangé sa paix Batou. Est-ce que vous allez plein ou vous allez plainte? Parce qu'à l'époque, bah, oui, bah, non, ça la plein, musique, ils allaient dans le contexte de Moussous. Vous voyez? Batouana Nyon, Sowana, Babana, Kousala, bah, plein, Wana, bah, Moussous, bah, Kola, Kola, bah, Moussous, bah, 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 papa, et autres là, bah, bah, responsabilité, belé. Et bah, jeune, y a l'élo, Betisa, bah, concert, par exemple, là, bah, showbuzz, là, au Kende, Bazana, bah, iPhone et autres là. Mais bah, musique, bah, stade Wana, c'est compliqué. Bah, musique, bah, stade, non, bah, fan, bah, Yamakasi, on va se sacrifier là. Voilà, c'est à dire que musique contexte échangea. Ma fanatique, ma commande derrière les téléphones. Au lieu de la physique, oui. Même ma vente à ces physiques, oui. C'est comme aller sous-té. Qui est la victoire au monde en ayant des autres tout là. Ma baron à ma téléphone. Vous voyez, volontaire, ma fanatique à l'époque, Bazala qui n'a pas le lieu à les sous-té. Bana Kanluka, Bana Changu. Vous voyez un peu tous ces gens là. Oh, Babana qui actuellement, ben intérêt comment mon sous. Musique est comme un téléphone, on nous a rapproché de musique dans le téléphone. Du coup, Stade Ouana, en tout cas, retourne du sang, le lieu a passé. Même Vita Imana. Match à vite, il est sous stade T. Alors il faut, se poser il faut se poser beaucoup de questions. Mais j'allais poser aussi la question. Par rapport à Fali, la question était par rapport à Fali. Bazobo, ça n'a que Fali pour pas autobeta. Fikine. Batou na Fikine, on est tondara. Oh, c'est Eric, c'est même ta tonne ici Fikine. Parce que deux concerts, Ezali. Les images sont là. Eric, c'est Fikine. Fali, c'est Fikine. Nan, il y a tonne ça Fikine. En plus, Fikine, on a la place à Vodacom, on a la pour autonne de Sango. C'est difficile. Maintenant, vous prétendez, bon, autonne de ça, stade de martyr. En tout cas, nous, on est curieux de voir ça. Ça sera une très bonne chose. On va féliciter l'artiste musicien Fali Poupa. Ok, nous sommes curieux de voir ça, Betek Nokabwe. Parlons un peu de la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, notre police et que la na possibilité à sécuriser la population qu'il y a dans le stade des martyrs. Mais le problème de sécurité ça a toujours été la sécurité ça a toujours été un problème. Ici même à l'époque même bah oui allait bah non mais à l'époque Koulou n'est là qui est un niveau ils allaient loter. Oui mais bon on va faire avec hein. On va faire avec, c'est-à-dire que comme problème à sécurité, Zali, donc, bah, conseil, bah, nous, t'as mal sauté. Notre police, en tout cas, bon, on déplore le niveau de professionnalisme et à notre
police, mais bon, on va faire avec. On a réussi au banawana ba téléphone, on a cher iPhone 13 et autres là, banawana ba français, ba royana ba ngote. On fallait pour ma fanatique naïe belende banawana. Vous voyez, banawana ba 2000 et autres là. Pour la baya stade wana, ba koutana ba chègue, ça sera difficile. Vous voyez, c'est un peu ça quoi. Mais on souhaite bonne chance à Fali Pupa, en tout cas, bonne chance à Wingé. Je suis sûr que tu es un peu de nostalgie. Mais nous souhaiterons voir. Voilà, les vieux Wana, Ferregola sera un atout. Tu as l'impact et ça là, Ferregola à côté. Parce que Babé est le dernier fils. Jibem Piana, à l'Obango, Ferregola est le dernier fils à Wingé. C'est-à-dire que la dernière recrue, il y a Wingé. Imagine-toi, concert et puis annoncer Ferregola à côté de Moutasuka. Vous voyez ce que ça va faire? En tout cas, il faut revoir un peu. Si on a un peu 40 Moutouana, je ne sais pas pourquoi est-ce que le combat a toujours fait rigolo. Ça, il faut le dire. Fait rigolo, c'est un musicien qui a été toujours combattu. Même la propre clan a été combattu. Pourquoi? Oh mon. En tout cas, il faut se poser des questions. Moi, je pense que fait rigolo a une étoile. Une étoile que les gens cherchent à étouffer. Mais ils aussi marre. Tu as vu que le monde royaume Kunga. Ata bosangani boye belé boko pakata. OK, boko pakata ata bosangani boye belé. OK. Nous étions heureux d'être avec vous na kata plateau alelo, vous parlez de la culture de la République démocratique du Congo. Betik Lukabu, je ne sais pas s'il y a des salutations à donner et batoyo faire un coucou, je pense que ça fera du bien. Ah mais moi je salue d'abord maintenir ce balani biso. Abonné à Damas, abonné à Univers Web Télévision. Allez vous abonner massivement, partager nos émissions. Nous sommes là pour emmener, apporter quelque chose de nouveau dans la presse culturelle, en ligne bien sûr, ici en République démocratique du Congo. Tout me donne ainsi qu'en fait. Pour que tout éclaircir sur beaucoup de points, au Yobazala qui n'a obscurantisme. Vous voyez, tout me met la lumière pour que les gens comprennent. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a un moment lancé à abonner à Univers Web Télévision. Il y a Damas, bon s'abonner, bon partager ma émission. En tout cas, ça sera une bonne chose. Je salue tout le monde au Balandi, Bissau, Foui Kipé là. Yannick Mbadou, en tout cas, Arnaud de Wango, Gilles Vabotoko, le docteur Otudi. Madame Grace Gaga, en tout cas place Mozali, la personne au mot télé, voilà. Ok, un grand merci à Shadrach Moulomba qui était derrière la caméra. Un grand coucou à Yannick Mbadou, Osé Zekipele, Glody Mozo, sans oublier Teddy Timba et aussi Eric Bika, Juaba Petinaye. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement parce que nous nous battons pour mieux faire. Mieux faire n'a jamais été trop tard. Nous vous demandons de vous abonner massivement. Ciao et à la prochaine.